maturité dans tout ce qui est transmission, déplacement, que ce soit tactique ou technique, mais en tout cas... Ça va être une belle fête pour la jeunesse aujourd'hui. Technico-tactique. Technico-tactique, voilà. En tout cas, on va voir à l'œuvre cette équipe, tu le disais, de l'IFU, le SNJU, tenante du titre face à cette équipe sudiste mondorienne. Place aux compositions des deux équipes avec du côté de NJU, un duo d'entraîneurs, Pierrick Waeo, assisté de l'expérimenté Léon Waitroni. Lorenzo Mafileo dans les buts, vous le voyez, cette défense à 4, Akon. Nipi Kazing, Nenou, deux récupérateurs, relayeurs, Nasson, Charoine, un peu plus haut devant, Boniface, Dico, et puis cette ligne de 3 offensive, Ralic, Siman, Fauté. On sera peut-être plus dans du 4-2-3-1 quand même du côté de NJU. C'est une tactique d'ailleurs qu'affectionne Léon Waitroni. Oui, et j'espère que. Et puis c'est aussi la même formation tactique que la plupart du temps le SNJU, les seniors exactement. Aiment. Justement mettre en place lors de leurs différents matchs. C'est aussi ça le projet de jeu club, hein, c'est-à-dire retrouver une harmonie et de la plus jeune catégorie de plan de jeu homogène entre les catégories et les équipes. On va passer à la composition d'équipe de l'AS Mondor qui sera coachée aujourd'hui et exceptionnellement en l'absence de Kevin Méniel que l'on salue qui est en vacances en métropole. Coaché aujourd'hui par Julien Volé, Teddy Philo avec, vous le voyez, plus une défense à 3 du côté mondorien. Rachel Gabin, le capitaine, sera forcément titulaire dans les cages. Étienne Dorian, Maël Rabanne-Granger et Joris Maes composeront cette défense à 3. On aura Jean-Baptiste Tita un peu en sentinelle. Les Pistons, Picard et Stangalino un peu plus haut devant Lévy et Belle Checham et puis devant le duo Rouloué-Vaquier, voilà c'est en tout cas les deux 11 qui sont mis en place par les coachs du jour avec donc l'entrée des deux équipes en orange et blanc, cette équipe d'Atanei et puis en noir, en rouge et noir, l'équipe de l'AS Mondor. Voilà John, ouais. En tout cas, de belles équipes qui bossent bien chez les jeunes, également à l'école de football. Donc voilà, des équipes qui sont axées aussi sur la formation et la construction du joueur, de l'individu, du jeune joueur. Donc on a hâte de voir, on espère, une finale qui nous proposera du beau jeu. Du beau jeu, oui. Et puis on a quand même le capitaine de... Du SNJU, là, qu'on voit face au trio arbitral, les quatre arbitres, Samuel Roising qui évolue lui en Super League déjà, hein, qui joue pour la défense des seniors. Et puis bah, que là, il vient renforcer cette équipe. Il vient renforcer cette équipe, donc ça va être un élément important. Voilà les deux capitaines, Samuel Roising et le second capitaine du Mondor. Allez, le trio arbitral, Médéric Lacour, le quatuor arbitral, Monsieur Lacour assisté des deux chaîneaux, et puis quatrième arbitre, on ne l'oublie pas, Monsieur Sébastien Pellissier, et donc les assistants Alan et Mike Chaîneau. C'est bien aussi de voir ces arbitres qui évoluent en Super League venir faire ces grandes finales des jeunes. Ouais, et puis c'est bien pour les jeunes aussi, ça les valorise, ils sont contents de voir... bénéficier. Ben, on connaît la rigueur de Monsieur Lacour qui est un arbitre FIFA, alors forcément transigeant dans les lois du jeu, dans aussi des choses qu'il faut travailler chez notre jeunesse. Léon Waitroni donc à gauche et puis à droite il me semble que c'est Julien Vol. Voilà, Nouma Dele, hein, le terrain, ça va, il est assez, même s'il n'est pas très beau, il est moche sur les côtés, il a des imperfections. On a quand même aussi ici à Nouma Dele beaucoup de vent. Ça a augmenté depuis tout à l'heure, il y en a un peu plus de rafales. Et puis au niveau de la chaleur, ça va, c'est agréable pour les joueurs. Ça va être. Agréable pour justement disputer un match qui va être intensif et puis pas trop de soleil. Donc les paramètres sont idéaux pour jouer, mais par contre pour tout ce qui est technique, ça va être avec le vent, ça va être compliqué. On l'a vu lors du premier match entre
Magenta et Yengen. A noter John aussi qu'on aura 4 récents mondialistes U17 sur la pelouse. 3 du côté mondorien, Anthony Lévy, Maël Rabanne-Grangier et Simon Houé. Et puis du côté du SNJU, Nouma Pamani. Simon Houé qui est remplaçant du côté du Mondor. Donc là aussi, c'est des joueurs qui emmagasinent de l'expérience et qu'on espère très vite retrouver dans cette élite calédonienne. Ouais, après, il faut le mettre en application, ce qui a été appris. Et c'est clair, apprendre des choses, c'est bien, mais après, le mettre en application, le réaliser, c'est encore mieux. Tout à fait, John. En tout cas, c'est parti dans cette finale U18. On est en direct sur la FCF TV Web. On remercie la Fédération Calédonienne de Football de pouvoir nous proposer ces images et vous permettre de suivre, pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir au stade. On le dit toujours, on le répète jamais assez. On est toujours mieux au stade. C'est toujours mieux de vivre l'événement depuis l'antre de Nouma Dele, par exemple, ou sur tous les terrains de Calédonie. Mais bon, c'est vrai que ça permet aussi à celles et ceux qui ne peuvent pas faire ces longs déplacements. C'est ça. Longs et coûteux déplacements. De rester à la maison. Ouais, de pouvoir malgré tout vibrer pour ces finales. Notamment aujourd'hui, ces finales jeunes. Ouais. Et permettre aussi aux plus anciens de pouvoir suivre de plus chez eux. Exactement. Qu'ils soient partout en Calédonie. Notre jeunesse est à l'honneur. Reste à savoir maintenant en U18 qui sera sacré. Alors que le SNJU insiste côté gauche d'entrée. Il y a un joueur mondorien, attention, qui est resté au sol. C'est le petit Dorian Etienne. Qui avait raté la Coupe du Monde pour cause de blessure. Ils auraient pu être 4, hein, les Mondoriens. Alors qu'on voit son compère, justement, Maël Rabanne-Grangier, qui lui était du côté de Jakarta et de l'Indonésie. Ouais. Il avait fait quelques minutes, d'ailleurs, de jeu avant de rentrer au pays avec les Kagou, les jeunes Kagou. Pour nos amis du web qui nous suivent, on vous rappelle ce que certains demandent, que les sous-titres peuvent être désactivés. Hein. Les sous-titres des commentaires. Ouais, faut. Et c'est en bas à droite de l'écran. Vous cliquez sur le petit icône sous-titres et vous désactivez. Et pour avoir le score, John, qui est projeté en haut à gauche, il faut mettre le plein écran. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup de demandes à chaque fois, mais c'est qu'en plein écran où le. S'il n'y a pas de plein écran, il n'y a pas de score. Le symbole en direct ne cache plus la visibilité du score. 0-0, 2 minutes 30 de jeu. On vous rassure, vous n'avez rien raté pour l'instant. Comparé au match précédent où le premier but était à la minute de jeu. Ouais. Un petit clin d'œil aussi aux joueurs de U18 de l'AS Lossy qui viennent de recevoir leur trophée de champion de Calédonie U18 fédéral du côté du stade PLGC des mains de Dominique Ouachali, le directeur technique. Bravo à Lossy. La volée, l'arrêt. Quelle première grosse occasion et la parade, la première de ce gardien, Rachel Gabin, capitaine. Rachel Gabin. Et grosse occasion hein, pour Nedjeu. D'Antam sur coup de pied de coin. On revoit, il était complètement esselé, plein axe. La volée. Ouais, bien placé aussi. Il me semble que c'est Nasson, Moïse Nasson. Ah ouais, plein axe, il était sur ses appuis. Ça aurait pu faire but. Alors autant on avait joué 2x40 sur le match d'avant en 15, là on passe en 2x45. Il n'y aura pas de prolongation en cas d'égalité. Tir au but direct. Il y a une faute. Sifflé.
On va jouer rapidement, c'est bien vu avec Nenou qui cherche dans l'axe pour l'instant des bonnes premières secondes de jeu côté Atanaï. Et donc c'est Léon Waitroni qui sera bien au bord de terrain côté Nejiu, l'expérimenté coach de l'IFU. Et pour l'instant, c'est un match où on est encore en phase d'observation, on n'est pas trop. Et côté Mondor, hein, on aura Julien Vol. Tout à l'heure, c'est Teddy Filo, hein, il me semble qu'on avait vu finalement. Ah, mais, Julien Vol qui sera sur le banc de touche. En l'absence de Kevin Médiel, je le disais tout à l'heure. Coach habituel de CU18 Mondorien. On voit cette faute encore une fois. Attention à ces coups francs là, certes lointains, mais on va essayer d'aller jauger un peu cette défense côté Nejiu. Mettre un ballon aérien dans l'axe, on va faire monter d'ailleurs les grands. Il a frappé. Voilà, c'est encore. Je sais pas pourquoi il laisse le ballon. Un peu long. Il attaquait. Voilà, le public féminin qui s'invite au stade. Ah, c'est beau de voir aussi ce public féminin dans les travées de Nouma Dele parce qu'on le sait. Ah bah, beaucoup de public féminin ici en Calédonie, de tout âge. Beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, de jeunes demoiselles aujourd'hui pour suivre ces jeunes hommes. C'est une bonne chose s'ils viennent au stade et puis supporter 22 acteurs sur le terrain. L'ambiance, ça attire, le monde attire le monde. Et attention, un nouveau corner. C'est rentrant, c'est bien tiré. Attention, encore une fois, ça traîne dans cette surface de réparation. C'est dégagé par Brandon Vaquier. C'est pas fini avec Nejiu qui est dominateur en ce début de rencontre. Début de rencontre qui est faveur de ce club de l'IFU qui pour l'instant est dans la partie adverse. Et qui pour l'instant est tout en maîtrise, voilà, simplement, sereinement, attention. Tout de même à ces pertes de balles qui peuvent coûter cher, mais voilà, on voit que ce jeu qui se développe vraiment superbement. Deuxième poteau là-bas. Pas le temps, et c'était Ticha Fauté. J'espère que je le prononce bien. Faute. Faute ou fauté? Faute. C'est faute. Qui tentera de percuter sur son côté droit là. Côté Nejiu. Ticha Fauté. Voilà. Faute, c'est son prénom. Et déjà trois corners hein, côté Nejiu en ce début de match. Mondor qui est un peu acculé. Voilà, tout seul. Ouh là là, heureusement qu'il va pas couper cette trajectoire. Ouais. Et ça. C'est des actions ou des situations où il faut vraiment assurer parce que on voit là, si on. Mondor est quand même en place. Ah mais ils sont acculés et pressés. Pour l'instant, le Nejiu est pressé, mais comme on l'a vu tout à l'heure hein, avec les U15, les crampes, les. Lévy. Bien fait avec Brandon Vaquier qui, on le voit, est un attaquant très puissant. Qui va essayer de peser sur cette défense du SN Nejiu. Ça sort pas, ça sort. Voilà,
Julien Vol. Vol. Pour l'instant, la ligne de 3 là, est assez efficace. La première ligne défensive, Ralic Siman, faute du côté de Nedjiou. C'est pas Julien Vol, en fait. Bon, c'est pas Julien Vol. Bon, en tout cas, on sait que Julien Vol, il est dedans. Oh, c'est bien joué, ça essaye, ça essaye de jouer vite. C'est cette là, ça. Bon, c'est bien, il y a quand même il y a un décalage. Fin. Il faut vraiment que les joueurs de l'AS Mandor accompagnent plus vite. Il y a des remontées de balles comme ça. On a vu une scission, vraiment une scission visible entre les attaquants et les milieux. Et s'il n'y a pas de soutien pour les attaquants, difficile d'être efficace et dangereux dans la partie adverse. Ça que le bloc puisse se déplacer ensemble. Je disais, pour l'instant, ils ratissent bien sur la largeur. Là, c'est. Ah, ouais, ils sont bien en place. Ces attaquants, ces joueurs plus offensifs côté Nedjiou. Et c'est vrai que ça gêne, pour l'instant, cette transmission entre les trois centraux, là, enfin, trois de l'axe, de la défense et les pistons. Ouais, pourtant, ils sont bien garnis au milieu, les joueurs du Mandor. Et... Donc, le nombre, pour l'instant. Il ne sert pas. A bien fait ça. On va voir bien sûr comment tout ça. C'est ça, on est qu'au début de ce match. Bien joué. Ça y est. C'est la continuation de ballon au milieu. Ah, intéressant ce petit ballon bien avec Vaquier qui de la tête avait pu trouver Capone Rouloué. Donc attention, ouais, c'est des actions rapides qui peuvent être justement impulsées par les milieux de terrain. Et puis ce joueur là qui joue en pivot, qui peut dévier. C'était parti aussi d'une belle transmission d'Amin Belchessam. Qui est au milieu. Qui, ouais. Donc c'est ça, hein, Lévy, Belchessam, c'est un peu les orienteurs du jeu de cette équipe de Mandor, ceux qui créent les décalages, cassent les lignes. Donc il faut faire très attention pour le Sénédiéou. C'est bien parti pour eux, ça fait moins d'un quart d'heure, mais. Faut être vigilant. Oh, on devrait avoir une finale équilibrée entre deux belles équipes qui se valent. Hein. Bien joué, c'est un contre un. Là, il faut qu'il s'écarte, le joueur de Nedjiou. Il ne faut pas qu'il court droit comme ça. Ouais, il attire les défenseurs avec lui, malheureusement. Ça crée tout un bloc compact après qui préserve l'axe. Et s'il écarte, il étire toute la défense adverse et ça devient de plus dangereux en fait. Ça repart de l'autre côté avec une faute signalée par Monsieur Lacour. Alors je le disais, John, c'est deux équipes qui se valent. On revoit cette faute effectivement en championnat. 44 points pour l'AS Mondor après 14 matchs et à l'issue de cet exercice 2023. 43 points pour le SC Nedjiou. Donc c'est pratiquement un parcours similaire avec des équipes qui encaissent... peu de buts. Ouais, 13 buts encaissés pour le Mandor, 16 pour le Sénégio. Ils ont marqué 38 buts et 36 buts. Ouais, d'accord, 38 buts pour le Mandor, 36 pour le Sénégio. 3 voilà, buts par match pour les deux équipes. Voilà. Et puis en gros, hein, 2,5, 3 buts par match. Et puis au niveau encaissé, c'est un but pour le Mandor et puis un but par match. Exactement. Encaissé et puis un peu plus pour Nedjiou. Donc et ce qui a fait la différence, c'est que l'OSI, ils en ont encaissé que 4 cette année. Donc clairement, quand on a une défense solide. Ah, bah ça a toujours été ça dans tous les championnats, dans le monde entier. C'est la meilleure défense qui gagne, ou même dans les championnats, les grands championnats de Coupe du Monde, Championnat d'Europe. Ça a toujours été la meilleure défense du tournoi qui a remporté le trophée. Alors, rectification faite, mon cher John. Sébastien Hich, qui est bien au bord du terrain côté Mondor. Sébastien, éducateur de l'AS Mondor, n'est pas trop reconnu de dos. Attention. Et la frappe. Bien, frappé, ça. Bien joué, côté droit là-bas. Je ne sais pas si c'est Anthony. Ça? Non. Attention. Du 3 contre 2, du 4 contre 2. Ouh, à l'opposé, heureusement. Il avait son pied gauche, il a décidé
tenter l'exter. Il va de l'autre côté. Vers faute, justement. Chicha. Ah, bien joué. Ah, il faut la mettre. Retard. Le grailleur. Le 10. Et l'info qui me vient de Kevin Méniel, qui est coach levé là du côté de la métropole. Et de François Dargenas, que je salue, qui est un ancien dirigeant de ce club de l'AS Mondor, qui a tellement œuvré pour ce club pendant des années. Qui s'est mis au repos depuis côté football. Sébastien Hich, donc le coach éducateur aujourd'hui au bord de terrain côté Mondor, alors que le SNGO encore une fois. Ah, c'est dommage que faute. Il s'écarte pas, il reste là où il est. Là, il est fixé. Il voit bien que toute la défense, elle est côté gauche. Écarte-toi côté droit, comme ça tu peux. T'as le temps. Là, le temps que le ballon lui arrive, quand on lui a été transmis, le défenseur est. Il a le temps de se replacer correctement et puis de. Déjà de lui faire peur. Il a frappé depuis 30 mètres. Ouais, et puis là. Il faut essayer de créer l'incertitude quand on est comme ça. Là, on avait le temps d'aller fixer ou à la limite, comme tu dis, de se décaler. Se décaler, mais c'est lui qui a peur. Donc, le défenseur, après, ça c'est un avantage après que tu prends sur tes duels. Allez, ballon encore pour Vaquier qui est très pesant ce début de match. Brandon Vaquier, la frappe bien captée tranquillement par Lorenzo Mafileo. La relance courte. On essaye un peu d'instaurer, comme à l'image de ce qu'on a pu voir en Super League, ces relances passes courtes et au sol côté Nejeu, c'est intéressant. C'est aussi jouer sur leur qualité, on le voit. Hein, c'est des joueurs du côté de l'IFU qui affectionnent ces phases de jeu, qui sont des bons manieurs de ballon. Et ça. On a quand même ces équipes de l'IFU qui ont cette habitude. Et cette qualité de pouvoir jouer au sol, d'enchaîner les passes rapidement. Avec des relances, des phases de jeu, de construction intéressantes. Ouais, c'est ce qu'ils aiment faire. Et puis, il faut trouver un peu plus d'efficacité maintenant dans cette manière d'opérer. Béchéchan qui a trouvé Vaquier. Et voilà, bon, côté Mondor, on a un jeu beaucoup plus direct pour le moment, beaucoup plus vertical. Attention, parce que là. De l'autre côté, il y a fait personne. Ça, Vaquier. Superbe relais avec la percussion dans cette surface de réparation. On avait trouvé la brèche. Ouais, heureusement que. Superbe. Hein. Jean-Christ Nipi, je pense. Alors on voit ce rôle très important de pivot, là, de point d'ancrage de Vaquier. Hop. Ça, c'est bien joué. Magnifique le relais. Avec. Il me semble que c'était Stangalino là qui avait percuté dans l'axe. Corner, le vent, attention le vent. Ouais, sans problème. En tout cas. Et c'était encore Capone Rouloué. Oui. La main. On a ces deux attaquants qui sont intéressants là, Rouloué et Vaquier côté Mondor. On arrive à les trouver pour l'instant. Ils attirent cette défense, ces défenseurs. Ça crée de l'espace aussi sur les côtés. On va peut-être exploiter ça côté. Ouais, et puis t'as Brandon Vaquier qui pèse. Qui bouge beaucoup, qui pèse, qui essaye d'assurer au mieux ce rôle là de. En gros, de pivot, parce qu'en fait, ils jouent pas forcément. Ils sont en 3-5-2. Ah ouais, ils sont Rouloué et Vaquier sur la même ligne, mais c'est vrai qu'on trouve davantage Vaquier dos au jeu. C'est il arrive à tenir le ballon avec sa capacité. Et Capone, il tourne autour. Très intéressant pour l'instant, ce Vaquier qui fait une 20 bonnes premières minutes. Ouais, il pèse sur la défense, il met cette défense en difficulté, il essaye en tout cas de les faire douter. Ah, ça c'est Léon, c'est ça. Léon Waitroni.
qu'on ne présente plus dans le football calédonien, ancien grand joueur du côté de l'Ouachila et puis coach depuis tellement d'années. Il a dû en voir passer des générations. Ouais. Le vent, pareil. Je comprends pas. Ils voient que c'est un paramètre clé, quoi. Ils veulent la jouer au milieu, enfin, au niveau du point de pénalty. Il faut. Lévy qui s'y prend de temps. Et ça permet malgré tout à. Ouais, elle est sortie. Ouais, c'est Nedjiou de pouvoir reprendre le ballon, mais c'était trop long. Ouais, des débats qui se sont un peu équilibrés après 10 premières minutes dominées par Nedjiou. Là, ça y est, la Esmondor a stabilisé un peu la chose. Alors, on aura aussi ces changements multicartes. Ça y est, c'est parti. Premier changement pour Esté Nedjiou. Et ballon pour Joris Mahé. Voilà, on a attention, du mal avec ces trois là qui pèsent. Il y a une faute. Heureusement que la faute, elle est faite. Pour l'instant, il quadrille bien cette largeur. Ça empêche les premières relances. Ouais, après, c'est les trois, c'est à eux, tous les trois, là, de prendre plus, de s'écarter plus. S'ils jouent à trois derrière, de donner plus d'espace pour étirer aussi ces trois attaquants et puis permettre aux cinq de venir demander dans l'espace qui a été créé par ces trois défenseurs. Là, étirer à mort quand ils ont le ballon. Là, s'ils jouent proche à trois quand ils ont le ballon, c'est... Ça peut être dangereux. Ah, bien joué. Bon. C'est encore une fois mal donné. Précipitation. Ah, faut qu'à droite, ça y est, il s'écarte là-bas. C'est Ilengo qui est rentré. Côté droit. Et puis il me semble Wayeko. Allez, Anthony Lévy. Anthony Lévy, il faut qu'il décale à gauche là-bas. Magnifique. Ouais, il va rejouer derrière. Qui avait joué les trois matchs du côté de l'Indonésie. Face à l'Angleterre, le Brésil et l'Iran. Ah, faut pas. On va essayer de développer le jeu à droite. Ils sont bien en place, les joueurs de l'IFU. Ce bon ballon à l'opposé avec Ilengo, c'est un peu long. Voilà. Il faut revenir les pistons. On soutient. Il faut redévelopper. Il n'a pas de solution. Ah, il met trop de temps à arriver les joueurs de SNL. Voilà, ça... voilà, ça permet au Mondor de repartir en contre-attaque avec encore Vaquier. Ouais, Vaquier qui rate son geste. Ouais, après ça, c'est la fatigue. Vous savez, 20 minutes, ça y est, ça. S'il avait le temps, il avait le temps, mais il décide de frapper. Alors qu'il n'était pas forcément en très bonne position, excentré. Là, il faut s'appliquer. Ça, c'est encore une perte de balle de la part d'Yassine Nedjiou. C'est la qualité de la passe. C'est vraiment, c'est important. Je dirais même, c'est capital. Capital. Et quand je vois des fois qu'ils font des passes où ils s'en foutent, ils mettent pas en bonne condition leur partenaire. Je comprends pas. C'est un sport collectif. C'est tu penses à ton partenaire, tu penses à le mettre dans de bonnes conditions, tu penses à jouer pour lui, tu penses à le soutenir. Donc dans tout ça. C'est toute la qualité, tout ce qu'il faut pour justement le mettre dans de bonnes conditions. Et quand on voit une passe qui peut être simple, attention, sous pression. Vaquier, bien... Notamment ouais, bien ce gardien Lorenzo Mafileo qui s'en sort bien. Bien joué gardien. Donc oui, c'est quand je pense à quand on joue au football et qu'on met à chaque fois en difficulté notre partenaire, mais c'est pas du football. Désolé, mais c'est pas du football. C'est à chaque fois on. Soit on garde le ballon et dès qu'on est dans le caca, et on la transmet, on dit bah vas-y démarre-toi maintenant. Et ça, tout ça là, toutes ces phases de jeu où on oublie que bah, le partenaire c'est notre. Et on voit clé, quand même cette panique un peu à bord côté Atanaï.
En 2-3 temps même le gardien qui va finalement s'en sortir comme il faut. Tout vient mettre son petit grain de sel, que ça le banc, le ballon qui tourne. Dégagement raté. Dégagement raté. Chandelle. Heureusement que ça n'a pas fini en but vidéo gag parce que. Vaquier, en tout cas, il insiste et on a bien compris qu'on était mort de rien que pour l'instant, Brandon Vaquier était dans plutôt un bon jour et qu'il pèse énormément sur là, cette défense. Là, maintenant, il reste un peu plus sur son côté gauche et qu'il respecte sa zone avec Rouloué, l'autre côté. Capone. Ils ont tourné. Un changement encore. Il n'a pas fini de lever sa petite pancarte et son panneau de changement, Monsieur Pélissier. Ah bah, s'il fait 5 minutes pour chaque joueur. Allez, entrée en jeu. Il revient dans le jeu. Ouais, ça serait bien un peu de limiter quand même ces changements même en U18. Ouais, c'est un peu trop quoi. Attention. Ah, si le coach veut couper le match, il fait des changements. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh là, bien fait ça. Bien joué de la part d'Alévi. Une, trop tard. Festival technique d'Anthony Lévy, ouais. Dont on connaît la qualité, hein, ouais. Forcément. De qualité du bon. Ballon. On voit qu'il est technique avec le ballon. Voilà. Après, c'est l'efficacité technique, tout le monde peut l'être. Ou il y en a qui ne sont pas techniques, mais qui ont une qualité de jeu. Il y a beaucoup de joueurs quand c'était pas technique, mais par contre, dans le jeu, ils étaient présents, ils étaient efficaces. Et ça a fait toute la différence. Donc lui, il a déjà ce potentiel, il a déjà cette qualité d'être technique. Maintenant, il faut qu'il grandisse en jeu, qu'il progresse dans cette phase-là. Là. Plus décisif peut-être. Ouais, c'est ça, tout ça. Tout ça, il est un poste où justement au milieu, celui, le métronome, celui qui organise, celui qui accélère, celui qui ralentit. Qui donne le tempo. Qui donne le tempo. Oh là, attention, encore un dégagement très aérien. Ça va être finalement Lévy là au deuxième ballon. Bah, voilà. Plus vite. Il ne faut pas essayer de faire un crochet ou quand on peut accélérer le jeu et jouer vite, il faut jouer vite. Heureusement, ils se sont bien remplacés les Mondoriens qui obtiennent la faute, rien à dire. Oui, une grosse faute. Ouais. On a l'impression que le vent s'est un peu calmé. Ça aussi. Y est, il est en train de se calmer. En train de tomber. Ouais, tout à l'heure, ça soufflait plus fort. Ouais, bonne rafale. Et un changement. Ah non, là, c'est du côté du Mondor. Et oui. Il va avoir des crampes à la fin, monsieur Pélissier. C'est pas les joueurs, c'est. L'entrée côté ASMD de Louis Brunet. À la place de Ita, c'est ça? C'est le 12, JB. Non. Si c'est lui. J'ai pas vu qui est sorti. Jean-Baptiste Ita. Ouais, c'est ça. Allez, long ballon. Allez chercher. Le corner, le 6 mètres. Allez. Le rythme qui est un peu tombé, l'approche de cette demi-heure de jeu, les débats sont équilibrés effectivement. Là, ça prend il va falloir amener un peu de folie là dans cette rencontre. Ah oui, dommage. Une faute a été signalée par monsieur l'arbitre, monsieur Lacour. Ah, je sais pas s'il y a faute là, mais. En tout cas. Permis à Nedjou de se dégager. Mais revoilà les Mondoriens avec Sangalino, Stan Galino. Oui, côté droit là-bas. Côté droit. Attention, récupéré par un joueur de Nedjou. Ah, ça. Ah, bien fait.
Ça passe avec un compte favorable. Il faut qu'il s'écarte encore là-bas, à côté droit, Jérémy Ilengo. Ils ont tendance à l'opposer, à rentrer trop vite à l'intérieur. Ça va trop vite et l'autre côté, ça exagère dans la prise de balle, garder le ballon. On le voit, il est plein axe. Mais il donne le ballon parce qu'il ne peut plus. Alors que c'est pas ça. Le ballon, tu le donnes quand tu es dans les bonnes conditions, quand tu n'es pas attaqué. Tu peux donner un bon ballon, un ballon juste, bien appuyé, dosé. Que sur une fin de course ou sur une galère, c'est normal que ton ballon n'est pas forcément exploitable. Et, Alors, relance rapide là de Gabin, c'est okay. Directement redonné. Je crois qu'il cherche la touche. Ouais. Encore un changement. Ah oui, hein, ouais. Ça peut être que ça tout le match. C'est la sortie de Samuel. Non, c'est à. Du côté du Vendor là, pardon. Après je sais pas, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de sortir aussi vite les joueurs. Ouais, c'est pour qu'ils se fatiguent pas trop vite. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Allez, en tout cas l'entrée de Kylian. Ah ouais, il touche le premier ballon. Sans premier ballon. Non. C'était Stangadino. À faire cette touche, longue touche, retouche, re-retouche, ouais, re-retouche. Ouais. Oui, c'est bien Kylian Bemananjara. Noah. Ouais, Noah, ça doit être son petit frère. Et Kylian, c'est le numéro 13 du Mondor qui vient de rentrer. C'est pour ça que j'ai. Ah, d'accord. Ça m'a mis le doute là quand j'ai. Ah, Kylian, il est au Mondor. Bah, c'est le 13 qui vient de rentrer. Le 13 qui vient de rentrer. Allez, le jeu vers. Ah, le grand là. Dorian Etienne. Sur le côté gauche qui part. Lévy qui rentre intérieur, qui profite de l'appel justement du nouvel entrant, Kylian Bemananjara, que l'on retrouve. Il percute sur le côté. Et c'est bien défendu. En tout cas, son petit frère Noah fait bonne impression tout à l'heure. Ouais. Voilà. On confirme bien que c'est son frère. Ouais. Il y a un troisième qui est à l'Olympique, on me fait savoir. Donc, famille de footballeurs. Non, mais c'est bien, ils ne sont pas dans les mêmes clubs. Comme ça. Tout le monde défend son fagnon. Allez, Lévy qui touche de plus en plus de ballons. C'est peut-être un point intéressant pour l'AS Mondor. Bien joué la touche. Après, derrière, faut qu'ils suivent. Faut pas que tous qui regardent le ballon et ils attendent que ça se passe. On essaie de trouver trois défenseurs qui sont tout seuls. Il faut les aider. Les milieux, il faut qu'ils soient plus proches. Antoine Siman là qui était aussi un peu esselé lui-même. C'est contre trois défenseurs. Ça repart pour l'AS Mondor. Il faut qu'ils fassent attention, les milieux du Mondor là, ils sont pas en phase avec les déplacements des défenseurs lorsqu'ils descendent ou les déplacements des attaquants lorsqu'ils partent très haut. Là on les voit, ils sont encore esselés. Puis il y en a au moins un ou deux qui viennent d'un soutien parce que c'est du 3 contre 3 à chaque fois. Du 1 contre 1, voire supérieur numérique pour le. Ouf, ça c'est une passe superbe, hein. Et ça casse deux lignes. Faut qu'il la mette. Allez, maintenant il y a un peu de décalage fesse, c'est dommage. Quelle passe là, en tout cas, de Joris Maé. Ça c'est des passes puissantes au sol qui cassent les lignes. Et ça a permis ensuite à 4 entre 3. C'était. Ouais. Ah, bien joué. Capone Roloué qui avait hésité. Qui avait pu se retourner, c'est dommage, il avait fait le plus dur. minutes de jeu, bientôt, toujours 0-0. Pour, on le rappelle, cette dernière de 2023 sur la FCF TV Web, et puis cette fin de saison, ça y est, qui va être clôturée.
chez les jeunes comme chez les seniors. Chez les féminines, c'est aussi clôturé depuis une semaine. Et on rappelle aussi qu'il y a des votes actuellement. Allez sur le site www.fedcalfoot.com pour honorer les meilleurs joueurs, gardiens et coachs de Super League. Toutes les infos sur le site de la fédération et sur la page Facebook. Vous pouvez la mettre là-bas à droite. Ouais, c'est un le rythme qui est un peu tombé dans un. Ouais, au début, ils étaient avec de bonnes intentions. Ça jouait rapide, ça jouait pour son partenaire. Et puis maintenant, ça commence à jouer pour soi. Ça touche 14 fois le ballon, ça tire de 40 mètres. Il n'y a plus de notion de l'autre, de coéquipier. De créativité. Ouais, c'est non, mais il y a de la créativité, mais individuelle. Il n'y a pas de créativité collective, il n'y a pas d'intention collective. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et on voit sur les tirs cadrés, merci pour les stats, la prod. 3 tirs cadrés pour le Mondor, 2 pour le SNJU. Production qui nous offre ses stats, voilà, bah on est à peu près sur les mêmes temps de passage, mais il va falloir essayer d'en faire davantage. Collectivement, tu le disais à l'instant, John, pour bousculer ses défenses et aller chercher c'est le chemin des filets. Ouais, parce que c'est le seul moyen qu'ils peuvent avoir, hein, ce jeu collectif, parce que pour aucun joueur dans son individualité qui est capable de dribbler tous les joueurs adverses et de marquer un but. Et quand on n'a pas cette solution, on prend celle où on joue collectivement et puis on essaye de progresser ensemble. Attention à ne pas se faire peur là, capitaine Mondorien, heureusement il s'en sort bien. Intéressant Joris Mahé, panique pas. Ça se bat bien, allez, ouh, il y a de l'espace avec Sulumé, dommage, il l'avait vu. Encore là-bas, il faut qu'il continue. Ouais, bien jouer. Fait. Pour Lévy. Tony Lévy avec Vaquier. Oui, il est passé, Brandon Vaquier. Ouh, la barre transversale. C'est pas fini. Énorme occasion pour l'AS Mondor. Il avait. Ça va partir très vite là-bas du 4 contre 3 maintenant. Supériorité numérique. Faut qu'il. Ah, c'est ça. C'est là. Cette capacité à pouvoir s'appliquer, à pouvoir jouer juste, à pouvoir donner des ballons qui sont exploitables rapidement. On va revoir quand même, John, cette grosse, grosse occasion de Vaquier. C'est la plus grosse occasion de ces 38 premières minutes de jeu. Il avait un peu feinté le gardien en ouais, je pensais qu'il allait la mettre en retrait. Ouais. Et puis en fait, il a tiré fort. A bien joué de la part de Lévy là. Je pensais qu'il allait déjà jouer en 1-2. Ça a touché l'équerre. Et puis là, il a touché l'angle. Oh, bam. L'équerre, ouais. Magnifique. On était tout proche de l'ouverture du score. Changement. Allez. Faute qui rentre de nouveau. Ah non, pardon, c'est du côté du Mondor. Du côté du Mondor, c'est. Je vois pas Wanima, Lévy, au pied gauche. Bien joué, attention. Et il va trouver. Non. Il va trouver un corner. Là, il la pousse trop forte. Pas dosé.
Allez, peut-être bah, que la solution Alors, va le vent, venir. Avec le vent, le ballon il tient même plus. Ça, ça s'est relevé encore là. Et corner à 4 pour Netiou, effectivement. Et 5 pour le Mondor. Ça, c'est très bien frappé, ça. Allez, ils sont en deuxième ballon. Il y a une faute signée par Monsieur Lacour. Pour rappel aussi, celles et ceux qui nous rejoignent, le sacre en U15 de l'AS Magenta qui a battu Yengen 3 buts à 1. Bravo à Magenta donc pour cette victoire chez l'U15. Et ça me fait penser justement à ce corner là qui était côté tiré de ce même côté au tout début du match en U15 qui avait donné un but. Ça a été une sortie de but. Bonne touche. Un nouveau joueur du Mandor qui entre en jeu. Ouais, là c'est... On en est au 20e changement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon. Allez, en tout cas, bah, c'est dans le règlement U18. Oui, ils peuvent, ils ont le droit de. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise touche. Allez, y aura-t-il un petit but d'ici la pause? Toute la question. Mais pour l'instant, bah, ça s'est un peu fermé de toutes parts. Deux équipes en place quand même. Ouais, puis c'est. Mais on a du mal à trouver les décalages, ouais, les combinaisons collectives pour aller chercher. Pour l'instant, c'est pas agréable au niveau collectif. Il n'y a pas de, voilà. De jeu et d'intensité, de rapidité, de circulation du ballon avec un rythme prononcé ou moyennement élevé. Mais... un jeu qui est approximatif. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec le ballon. On essaye. Puis à la fin, quand on ne sait plus, ben on donne. Quand on ne peut plus, on donne. Allez, 3 minutes encore. On s'est un peu endormi hein, dans le jeu. Après, c'est vrai que, je le disais quand même, des équipes bien en place, consigne des coachs qui sont respectés, la frappe elle est lointaine, a été magnifique. Et notre ami Joris Mahé, il rate pas son match en tout cas, et bah, c'est lui là qui a pratiquement de 40 mètres est venu décocher un tir surpuissant, bel arrêt. Oui, il avait le vent avec lui, il a raison. C'est... ouais, le vent qui est dans le dos des Mondoriens, donc la frappe... t'es bien vu, Félix Tchiroiné du SNJU. Qui vient d'être averti. Et à nouveau, un coup de pied de coin, corner au second poteau. C'est récupéré par l'équipe du SNJU. Intervention, attention, de Dorian Etienne, Lévy. Il faut tenir cette balle, bien fait, protection. Voilà, faut la garder. Mettre son camp en opposition. C'est bien joué. Antoine Siman maintenant. Voilà, c'est là où il doit la lâcher. Ça fait un peu trop, mais il obtient la faute, Siman. Mais... une faute. Ouais,
je rappelle d'ailleurs pour les votes sur le, l'événement Fédération Cagou du foot qui cette année sera des votes publics. Vous avez pu voir les nommés hein, sur les meilleurs joueurs et meilleurs espoirs. Il y a quand même du beau monde hein, pour les meilleurs joueurs. Pierre Bacco, Martin Macam, Jean-Paul Omenjo, Franzi Ranchin et Shane Walepan. Et puis les meilleurs espoirs, Dan Djewe, Gérard Waya, Neville Wayob, Willy Reed et Claude Forest. Ça a de la gueule comme on dit. Ouais. Et puis on aura les gardiens et les coachs, les nommés qui seront donnés et les votes lancés en début de semaine. Vote jusqu'au 20 décembre. Ah bah bonne dizaine de jours de vote sur le site www.fedcalfoot.com. Annonce des gagnants le 22 décembre et puis après ça passera au fait. C'est ça. On voit cette frappe, t'es vraiment lourde et très tendue, qui a failli surprendre Lorenzo Mafileo. Très bien fait ça, Siman. On s'est un peu éteint dans l'animation du jeu. On n'arrive pas à trouver les bonnes transmissions. Ah, c'est... Ah, un changement, mais la mi-temps est dans 30 secondes. On ouais. Y est déjà. Bon, c'est vrai qu'au moins tout le monde participe, mais c'est vrai que ça... enfin, on trouve ça un peu beaucoup, mais... Noah qui rentre de nouveau. Ah, puis c'est dur, hein. C'est vrai de couper, de retourner dans le. Ouais, c'est un peu comme en futsal, ce qui est différent, hein, c'est que le futsal c'est des séquences très intenses sur un terrain plus court. On est dans un changement permanent, d'ailleurs le jeu ne s'arrête pas, hein, c'est ouais. Au futsal sur les changements. Là, en soi, si Monsieur Lacour il décompte tous les changements, on va avoir 40 minutes d'arrêt de jeu. Ah, bien joué. Décalé, bien fait. Ouh, heureusement, le bon retour, magnifique. Bon tac. Jean-Christ Nipi, non, me semble. Beau geste défensif. Et Atanaï qui peut tenter de se dégager. Allez, il y a un peu d'espace, mais il y a une faute signalée par monsieur l'assistant, monsieur Chéneau. On voit, il y avait. Ouais, il a poussé 3 contre trop fort, c'est 3. Là. Ouais. Tac, il était très propre, ouais, c'était bien. Jean-Christ Nipi. Ouais, il est à bonne distance, il attend avec son adversaire de l'autre côté, et dès que le ballon est lancé dans l'espace. Allez, au deuxième ballon, faut tenter. Oh, le but. Le gardien du SNJU qui se déchire. Et la frappe, elle est signée du Mont-Dorien, Louis Brunet qui ouvre le score. J'avais envie de dire, peut-être ça allait enfin lancer cette, relancer cette rencontre ça y est. Qui commençait un peu à se perdre dans un faux rythme. Et puis, bah, c'est. Et Louis Brunet qui vient donc ouvrir la marque. Il est masqué le gardien. Il est masqué et puis après il y a une faute de main. Ouais, et puis le rebond là qui le rebond qui est, parce qu'elle passe entre ses jambes je crois. C'est là on est un peu loin côté Nejiu. Là, hop. Ah non, ouais, non elle passe pas entre ses jambes. Elle passe à côté. Il y a un petit rebond. 1-0 juste avant. Ouais, il avait tout bien fait jusqu'à maintenant, Mafileo. Ah, Lorenzo. On le dira jamais assez, ce poste de gardien de but, il est cruel. Ah oui, il est cruel hein, parce que. Mais bon. C'est un sport d'équipe, il y a ses coéquipiers qui vont et qui vont devoir justement aller chercher cette égalisation. Ouais, pour lui aussi, parce que c'est vrai que c'est en finale c'est toujours difficile. On se souvient du gardien de Liverpool qui avait fait deux bévues face au Real. Ah ouais, carrément. À un autre niveau forcément, mais c'est PSG. Contre le Real, Donnarumma aussi. Voilà, en tout cas, Louis Brunet. Le voilà, à l'image, tout heureux forcément d'avoir vu sa frappe finir au fond des filets. On va se quitter quelques instants pour un petit repos. Puis on se retrouve à Noumadélé pour la seconde période entre
Geo et Mandor, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Flo. Et de retour à Nouma Dele. Et donc cette deuxième période à venir. Et on voit le vent quand même qui continue de souffler, même si ça s'est un peu calmé, on le disait, par rapport à ce début d'après-midi. Il y a quand même forcément pas mal de vent aujourd'hui. En tout cas, le Mondor qui mène dans cette finale U18. Ça a été dur offensivement des deux côtés pour trouver les brèches dans ces défenses bien en place. Il est vrai, il a manqué un peu de jaune, on le disait, de justesse technique dans les passes, dans les d'intelligence de jeu dans les déplacements. Et puis de jeu collectif. Mais de belles équipes malgré tout. Hein. Effectivement, on voit une finale équilibrée, où le Mondor aurait pu aussi faire la différence par celui qui fait vraiment belle impression, c'est Brandon Vaquier devant, on l'a vu, il vient de toucher, il venait de toucher la barre. Alors que la deuxième période est repart, on revoit ce but de Brunet qu'on n'a pas vu venir parce qu'il a été surpris, Mafileo qui fait une petite erreur de main. En tout cas, c'est bien ce petit but d'avance qui pour l'instant fait le bonheur des Mondoriens. Je rappelle que le SC Negeu est tenant en titre. Ils avaient remporté la coupe de Buzyn face au Païta FC l'an dernier du côté de Rivière-Salée, John. Monsieur Lacour qui avertit le numéro 10, Antoine Siman. On voit la gênée dégagement du gardien. Donc 45 minutes pour l'équipe de l'IFU et le club du président Forest pour tenter d'égaliser, reprendre les devants, pourquoi pas, en tout cas essayer de ramener à l'IFU ce trophée de nouveau. Trophée de nouveau de Coupe de Calédonie Jeune. Alors qu'on le rappelle, en championnat fédéral et territorial, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est l'AS Lecce qui s'est imposé cette année. Bravo à ce club des Oranges. Qui donc réalise le doublé en U18 championnat. Mais maintenant, bah, c'est la coupe qui est en jeu actuellement sur cette pelouse de Nouma Dele. Siman, vous l'avez vu, qui a été averti. Bien joué. John, comment tu vois un peu cette deuxième mi-temps avec l'équipe de Negeo qui court après le score? Bah, si ils arrivent à rectifier et puis par rapport à la première mi-temps où ils étaient moins en phase collectivement et j'arrive à trouver Sébastien Is. On a trouvé le... Ah ouais. On arrive à mettre maintenant les prénoms sur les visages, prénoms et noms. En tout cas, oui, Nediru va devoir être plus juste, plus collectif. On a donné trois noms, on pouvait pas se tromper. Arrivé à un moment. Attention. Long ballon vers l'avant. Il arrive quand même à la récupérer, Vaquier. Il est pesant, hein, cet attaquant puissant. Attends, il n'avait pas. Ouais, il va chercher. Ouais, non, la touche. Ouais, c'est touche. Samuel Tangalino là qui. Tangalino qui assistait avec. Semble être touché. Vaquier. Ah, la cheville. Ouais. Il a pris la cheville. Là. Ouais, alors, là, c'est. On espère qu'il est souple des chevilles, ce qui évite des grosses entorses. Là, ça a un peu dû étirer là.
peut voir aussi en face de nous. Oh la faute. Oh la faute. On voit aussi des stats, pardon, des tirs cadrés. Tirs cadrés, c'est pas quand fini. Même Mandor est au-dessus, 5 tirs à 2. Ah, c'est ça. C'est ça quand je parlais qu'il fallait qu'il joue collectif. Ah, ça s'anime d'un coup là. Ouais. Je disais, John, on voit aussi en face de nous les travaux qui ont débuté au stade Nouma Dele. C'est une bonne chose que vous ne le voyez pas, mais derrière, sur la tribune honneur, les deux pylônes pour les lumières qui ont déjà été totalement rasés pour en mettre des nouveaux. On va passer en LED. Ah bah l'éclairage bien. L'année prochaine sera beaucoup mieux. C'était pas faute de demander. Et donc, merci vraiment au gouvernement et à la direction jeunesse et sport, la DAPM qui gère. Qui ont trouvé ce budget gouvernemental pour assurer ces travaux. Le stade de Madélé qui en a bien besoin d'une petite retouche là. Ouais, une grosse retouche. Ouais. Mais déjà la lumière, hein, c'est important. Ah mais 2011, ça va être 10 ans. 12. 12 ans. Bon, voilà, il y a eu quelques duels assez musclés. Ouais, ça a été costaud là pendant 2-3 minutes. Phase. Donc de toute façon aujourd'hui on n'aurait pas pu jouer en nocturne. Quoi qu'il arrive. C'est pas grave, le soleil revient, lui. Il l'a pas vu. Et là. Mais le vent reste frais. Il y a des éclaircies, mais le vent reste frais. Et il se renforce un peu. On verra justement. De quel côté va tourner le vent de la victoire pour l'instant? Bah, il souffle en faveur des Mondoriens. Voilà, c'est ça. But. Allez, cette frappe, c'était pas mal tenté, c'est mais ça, il a très vite jugé Rachel Gabin, capitaine serein dans les cages du Mondor. Et c'est reparti pour ces changements. On revoit cette frappe. Allez, c'est parti pour le Mondor. L'entrée en jeu. Monsieur Pélissier va avoir des crampes. Ita, Jean-Baptiste Ita. Ah bah oui. Au doigt ou au bras? Allez, retour de Ita sur la pelouse. On va voir si Jéhou arrive à trouver ses solutions. On sent qu'ils ont la qualité. L'équipe de Léon Waitroni et Pierrick Weho pour aller chercher cette égalisation. Il va falloir insister, provoquer, combiner. La sortie de Dorian Etienne. Corner à nouveau, coup de pied de coin, deuxième poteau, la tête. On
on allonge côté Mondor. Essayer de trouver le buteur Brunet. Et Lévy qui n'obtient pas la touche. On le retrouve Anthony Lévy. Ouais, dommage. C'est récupéré. L'équipe de l'IFU qui. De Gio qui va essayer de repartir de l'avant. C'est bien fait. Allez, peut-être une incursion là qui peut être profitable. La frappe enchaînée. Oh, le but. Le but, il est magnifique. Oh, magnifique. Quel magnifique but. Ce but. Quel enchaînement. Ah, oh, je sais pas. Wayeko. Super, Wayeko qui veut. Magnifique. Très beau but. 54e minute de jeu. Un but partout, John. Ouais, le vent, le tout, la frappe. Il s'emmène bien le ballon sur le côté droit. Il était scellé, il aurait pu attendre. Et il a choisi de prendre ses responsabilités. Décalage. Et le bon ballon dans l'axe. Il décale un peu sur la droite. Il regarde, il est complètement excentré. Il vient trouver le petit filet opposé. Qui surprend, qui surprend le gardien. Et donc, ouais, superbe. Magnifique, rien à dire, et la finale est relancée. C'est reparti. Et ben voilà, ça va nous offrir une dernière période télévisée pour cette année 2023. Intéressante, attention. Monsieur Lacour qui vient calmer un peu le tout. On revoit ce but. Le contrôle, la prise de balle vers l'avant est intéressante et la prise de risque ensuite, John. Parfait. Bien. C'est à l'entrée de la surface de réparation, une frappe. Après, on remarque encore, c'est à l'image du match, du match, c'est des exploits individuels. On n'a pas la concrétisation d'une collaboration collective, d'une participation collective où tout le monde met sa main à la patte pour créer une situation dangereuse, même marquée. Donc non, ça donc on a vu juste un exploit individuel. Mais en tout cas, il y a un partout. Égalité entre ces deux équipes. Et Lévy est à la manœuvre pour ce coup de pied arrêté. Accompagné de. Il faut très vite réagir côté Mondor. Pas rentrer dans le doute. Qui peut être créé par cette égalisation. Voilà. Bien tiré. La prise de balle impeccable de Lorenzo Maffio. Oh non, il la relâche. Ah non, il y a une faute sur lui. Faute. Et attention, ça joue. Très vite. Ça joue. Non, monsieur Lacour. Il attendait. On voit. Il y avait du grabuge. Il y avait une faute sifflée sur le défenseur. Donné Géou, c'était celle de Brandon Vaquier. Ça repart, allez. Eh bien, on aura certainement une belle dernière demi-heure à vivre ensemble. Ouais, une faute. Lévy. Ah, superbe ce ballon, dommage. Ah, c'était bien ce qu'il avait fait. Il faut qu'il anticipe un peu plus. Galino, là. Et Vinekobi qui a été averti. Monsieur Lacour, vous ne le voyez pas en bas de. Enfin, gauche de votre écran. Qui est venu calmer un peu Léon Etroni. Bon arbitrage pour l'instant. Rien à dire. Ouais. Changement de nouveau. C'est Lévy qui sort. Pour laisser sa place à. Picard. Noé Picard. Ouais, il y a. Ça va un peu changer. C'est combien côté Mondorien, parce qu'on va. C'est comme ça, nous, ça nous familiarise avec les joueurs. Ça rentre, ça sort. On voit qui sont les joueurs. Heureusement qu'on a les bons numéros. Heureusement. Ça, il aurait pu mettre de face dès le départ. Et... Je suis pas du tout fan de ces multi-changements. C'est
Moi, si je suis même joueur, pour un joueur, ouais. Ça coupe. Non, non, mais... Entraîneur, ça va, mais en tant que joueur, non, je suis pas d'accord. Non, mais après, on est maintenant sur des. Tu me laisses jouer au moins. On est sur 5 changements, voire 6 par match. En U18, on est capable de respecter ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où tout le monde doit jouer. Donc c'est louable aussi également. Attention, de... attention, parce que si ça passe. Ah, ça passe peut-être pour Antoine Simard. Ah, il a pas. Il aurait dû y croire encore. Il voulait voir et puis voilà, il a tourné la tête. C'était le moment où, le ballon il aurait pu être intercepté. Non, pour l'instant, cette égalisation qui a redynamisé ce match, c'est intéressant. Alors entre le but de dernier instant de Brunet en première période et cette égalisation assez rapide, bah, on devrait avoir une fin de match intéressante. On revoit ce vent encore qui pousse ce ballon et la défense à la faute de jugement. Et un changement. Si on les avait comptés. Ouais, ça c'est. Mais c'est Samuel. Moi, ce que c'est dur de rentrer dans un match après. Ah ouais, après 5 minutes d'arrêt comme ça. Jouer. Impeccable. Il fallait pas se rater côté Gabin. Bien fait, Vaquier. Et donc tout reste à jouer dans cette finale U18. Oui. Après donc le sacre en U15 de Magenta, ah. Vous l'avez vu. Boniface qui rentre à la place de Simon, Antoine, Anton, Nico. Voilà. Ouais, il a bien donné aussi sur le front de l'attaque. Siman. Ouais, ça a passé vite. Hein. En plus, le vent il s'est levé encore un peu plus. Ouais, c'était un peu calmé, mais ça reprend un peu. Une demi-heure. Dernier tir de rencontre. Et donc, un but partout pour l'instant. Alors, on le disait, c'est deux équipes qui se valent hein, cette saison. On le rappelle, en championnat, un parcours assez similaire. Un point d'écart. Un point, une victoire d'avance pour Mondor, qui en 14 matchs a battu 9 fois ses adversaires. 8 fois pour le Negeo. Par contre, Negeo n'a perdu qu'un match et le Mondor 2. Ouais. Mais le Mondor qui, malgré tout, devant un point d'avance, mais qui n'a pas pu aller chercher un nouveau titre aux dépens de l'AS Lossi, donc sacré, qui a reçu, je le disais tout à l'heure, du côté du stade PLGC pour le dernier match de ce championnat face à Wedge, et bien le trophée de vainqueur et champion de Calédonie du 18. 2023, un petit changement. Tcharaïné qui reprend sa place. En place Nasson. Et de l'autre côté, c'est Stangalino qui sort pour laisser sa place à Kroloué. Voilà. Capone. Il est de retour. Il est de retour. Ça a été bon sur sa prestation de. Avant de céder sa place, on essaye de repartir court dans un circuit préférentiel qui, attention. Donc, qui n'a pas réussi là sur le coup et qui offre peut-être une opportunité au Senegeu. La frappe et l'arrêt. Cette fois-ci de Gabin, à peu près au même endroit que tout à l'heure. Cette frappe, c'est cette fois-ci. Angle fermé. De l'autre côté, on cherchait la lucarne. Ouais. Côté Atanaï. Là, il faut fermer. Parce qu'avec le vent, ça peut être dangereux. Le voilà, super tiré, superbement tiré. Là. Heureusement qu'il la prend mal. Il a passé. Il a passé appuyé. Il a le pas ballon, attaqué là. Ouais. Rentrer dans ce ballon. Ouais, il faut y aller, tout donner là. Ouais, faut même pas chercher à calculer où c'est rentrer dans le ballon pour qu'il aille dans le but. Là, il a voulu la décroiser comme Benjamin tout à l'heure.
trop de croisés. Oh là là, c'est dangereux. Je vois quand même. Intéressant, un jeu balle au pied, enfin avec son jeu de pied. Gabin, ouais. Michel Gabin. Sur sa relance, il est assez serein. Ah, il a bien fait ça, c'est un renversement de jeu, mais voilà, et encore une fois, il est rentré trop intérieur. Cette tendance. Ils ont toujours besoin de venir proche du ballon, mais c'est normal. Il est rentré trop tôt. Mais non, faut justement, essayer d'occuper cette largeur pour étirer le bloc adverse. C'est ça que. À moins que après le coach demande de rentrer intérieur. Oui, après, c'est pas assez clair quand. Attention, Nedjiou encore. Mais on oublie les consignes, ouais, ça peut être des consignes qui peuvent venir du coach. Et puis des fois, bah, y a plein de coachs aussi. Hein, c'est plein de consignes. Et Mondor qui est un peu bousculé là en ce moment. Il est seul. Attention, il est seul, il faut lui dire. C'était bien tenté, mais il aurait peut-être pu même la contrôler, se reculer, dommage. Bien tenté, ouais. Sûrement, mais. Ouais, changement. Et Belchicham, Amine qui va rentrer, qui va prendre la place de. Non, c'est pas Rodou qui ressort. Ah, pas vu. Hein. Qui a une petite main, l'arbitre finalement qui lui donne la faute, faute pour lui. Et la crampe. Et voilà, monsieur Lacour. Ouais, belle image, monsieur Lacour. Ça, oui. C'est applaudi d'ailleurs dans les tribunes. On avait vu pas mal de crampes aussi tout à l'heure chez les 15. On a. Kobe Vigné. Kobe. Au coup franc. Vigné qui va. Ouais, son pied droit, et il va tenter peut-être. Non, ouais, fort joué, devant le but, rebond. C'est difficile. Mais pour bien joué, gardien. C'est ça. Quand il y a un rebond comme ça, c'est souvent difficile à capter. On l'a vu tout à l'heure avec. Le gardien m'a filé haut, hein, sur le rebond, ça a décalé un peu sur la gauche. Et ouais, et puis il a subi un peu le rebond, comme on dit, ouais. Le gardien, là, Michel Gabin. Voilà, c'est. C'est intéressant. Peu, on sent un peu moins serein, pardon, John, depuis le but où il a mal. Oui, et après, c'est. Corner, c'est le doute stats. Après qui s'installe. Hein. 7e, 8e corner maintenant pour Nedjiou face à 6. Contre pour le Mondor. Ouais, c'est bien joué de la part du frappeur tout à l'heure de coup franc, c'est qu'il y a le vent avec lui. Il a un terrain qui est pas terrible et c'est pour ça de faire retomber le ballon juste devant le gardien, ça rebond fuyant. Rebond fuyant, c'est ça. Heureusement, il n'y a pas l'eau. C'est pas le terrain n'est pas assez humidifié pour C'est là où l'importance pour les gardiens, c'est de vraiment de, aussi entre guillemets d'attaquer ce ballon, pas le subir. C'est ça, ce rebond. Exactement. Ça. C'est pas attendre de savoir où le ballon va partir après le rebond, mais c'est. Allez, ça repart avec un jeu au sol côté Nedjiou. Ouais. Attention à pas prendre de risques non plus. Et voilà, il se reprend bien. Attention parce que là. Ah, il y a un décalage de créer une supériorité numérique pour l'AS Mondor. Non, là, ah, il a... c'est mal. Ouais, il a paniqué ou je sais pas. Ouais, il s'est précipité. Ouais. Précipitation alors qu'il avait solution à ouais, des solutions. Attention, attention. Passe... Et Gabin C'est bon, sans problème. On rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation donc. Ah, ça va être tir au but. 20 minutes encore pour ces deux équipes. Pour se départager.
Ouais, à l'opposé, c'était ça l'idée, mais c'est mal donné, mal exécuté. Ah là, c'est donné pour donner. Sauf si c'est bien donné. C'est bien donné. Ouais. Allez, la faute. Il faut être sur Samuel. Là, ça doit être un peu plus dur, mais bon, il joue avec sa génération. Mais vu qu'il a fait presque toute la saison avec la Super League, la première, de redescendre comme ça, et de trouver des automatismes. Attention à ce rebond. Différent avec deux jeunes joueurs, ce n'est pas facile. Et longue relance. Au deuxième ballon, un Mandorien, mais ça ne aboutit pas ensuite. Ah, ça passe. Ah, bien fait. Ah. Là, ça insiste, ça insiste. Ça a un peu plus de mal du côté du Mandor pour trouver. Des ouvertures, des failles dans la partie adverse. Subi depuis quelques instants. Ouais, on le voit sur les hauteurs de ligne, on est assez bas. Ah, c'est de plus en plus bas d'ailleurs. Oui, ça descend, ça descend. Et... Et encore un coup franc, certes plein axe, mais avec le vent, c'est très dangereux, même s'il est lointain ce coup franc. Ouais, il peut, qu'un rebond devant ou détourne de la tête, mais il faut qu'il vise le cadre. Voilà, ça c'est bien. Non, il n'est pas cadré. Et c'est pas, et ça retombe pas. Je crois que ça allait plonger ou. On revoit. Ah, vraiment à côté. Bah, aucun problème pour le gardien. Allez, un peu d'espace. Capone enroué qui trouve une solution côté gauche. Voilà, faut percuter. Sortie de but, malheureusement. Changement. Lévy. C'est ça, j'ai l'impression, ils font des chronos de 5 minutes. Ou... Entrer à la place de. Je crois que c'est. L'attaquant. Vaquier. Vandon, c'est ça. Ça va. Là, ça devient brouillant, ça devient. Plus grand chose à se mettre sur la dent pour l'instant. Non. Bah, on voit hein, dès qu'il récupère le ballon, c'est pour la garder, pour dribbler, pour. Alors le niveau du parcours, hein, parce qu'on a un peu de temps. C'est vrai que Nejiu en quart de finale avait battu Magenta 4-0. Avant d'arriver en demi-finale face à Wetch et dominer l'équipe de Wetch 1-0 pour se retrouver ici même en finale. Ryan Gaines est face au Mondor qui s'était retrouvé en demi-finale avec ce match qui fut arrêté. Donc Ryan Gaines a posé un recours qui est en cours, non suspensif, donc c'est pour ça que cette finale se joue.
tout cas, au niveau du parcours, les Mondoriens qui s'étaient imposés en quart de finale 2-0 face à Mondor, face à Païta, pardon. Et on les retrouve maintenant en finale, cette équipe voilà, Mondorienne, ou attention, le gardien, parce qu'il a un peu relâché le ballon. Donc il y a voilà, une demi-finale qui s'était arrêtée entre Yengen et Mondor. Et c'est bien le Mondor qui est là aujourd'hui et qui va essayer d'aller soulever ce titre. Il n'arrive pas à être altruiste, le 11 de Nedjemou. Oui, Yeko, celui qui avait d'ailleurs... Celui qui a marqué la belle frappe qu'a fait... Égalisé à la 54e. Eh bien, John, on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Il va falloir que ce match s'emballe, ou cette fin de match s'emballe. Si on ne veut pas aller des deux côtés à la séance des tirs au but. Ouais, c'est bizarrement tiré. Il n'avait pas envie de tirer le coup franc. Pourquoi il ne laisse pas un partenaire à lui? Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, il a arrêté sa course pensant que ça allait être... Il recule, il reprend le temps et il ne tire pas que pour lui, il tire pour tout un groupe là. Voilà, le dernier quart d'heure qui est atteint, l'image qui arrive sur ce ralenti avec cet enchaînement de Brunet. Et ensuite le gardien qui se fait une petite frayeur, ouais. Attention. Oh là là, la frappe. Ah, bien joué de la part de la défense. Quasi. Samuel encore, hein, qui... Il y a le feu un peu sur cette... cette cage gardée par Gabin et puis cette frappe de Boniface Dico contrée in extremis. On était tout proche du 2-1 pour Nedjeou. C'est bien tiré encore. La tête, l'arrêt de Gabin. Oh. Ça chauffe. Il a bien, ouais, c'est très défense. Bien arrêté ça. Bien. Et c'est pas fini. Avec un petit ballon par-dessus la défense. Ça, c'est bien fait. Ah, au second poteau, il y avait peut-être mieux à faire, dommage. Ou en tout cas, ouais, ils vont pouvoir remercier leur capitaine là sur cette action. L'équipe mondorienne, parce que un peu de laxisme dans cette défense. Ouais, et puis il est masqué en plus. Hein. Arrêt réflexe. Arrêt réflexe qui. Qui est le bienvenu. Ouais, parce qu'il reste que 15 minutes. 15 minutes, ça aurait été. Problématique. Attention, parce que le Mondor se relâche là défensivement. La frappe lointaine. On était tout proche d'un des buts de l'année. Ouf, la mine qu'il a envoyée. Magnifique. On l'a vu en pleine lucarne. Ouais, moi aussi. Il pensait qu'il y avait but aussi le joueur. Félix Tchaoïné, je crois. Non, mais c'est. Les filets ont tremblé en plus. Ouais. On en pense que s'ils arrivent à faire ça individuellement, ces exploits individuels, imagine s'ils se comportent collectivement pour essayer de jouer, mettre en difficulté l'adversaire, mais ça peut être encore plus intéressant. Allez, des crampes. Allez. Et long ballon. Bien joué ce ballon. Avec Wani Ma qui était trouvé. On insiste côté gauche. Là, ça insiste. Hein. Ouais, on a quand même c'est vrai, une équipe mondorienne qui, on le disait, a reculé. Ouais, et puis qui complique devant, ça fait que... Tout à l'heure, il y avait un peu plus de simplicité entre Capone et Brandon. Ah, le buteur, il complique un peu trop. Et donc c'est pour l'instant le numéro 7, Capone là. Holloway qui. Brunet, c'est ça le 14. Qui a une crampe. Allez, belle envolée.
remercie la production pour toutes ces belles images tout au long de l'année. Ça, exactement. Flo Manette. Le ralenti, les cadreurs. Et on a plus de 50 matchs qui ont été télévisés cette année avec forcément notre partenaire. Attention. Diffuseur Canal+. Attention, il va très vite le coup. Oui, il va très vite, ça va être du 1 contre 1. Avec pourquoi pas le doublé, la parade de Gamin, c'est pas fini. Petit ballon en retrait, quelle action énorme, ratée par le Senodjiou. Il avait l'occasion là, notre ami Wayeko de s'offrir un doublé. Si dans sa tête il arrive à travailler pour jouer en équipe, ce genre de ballon c'est cadeau ça. Quelle action à 10 minutes de la fin pour le Senodjiou. En tout cas Gamin il vient de prendre l'ascendant psychologique. Ouais, tout à l'heure il a été surpris par la frappe et puis maintenant 8 tirs cadrés à 6 en sachant que sur ces 8 tirs cadrés il y en a eu qui ont été arrêtés par 8 tirs de... il tire en plein dans le après plus facile à dire qu'à faire, après il avait le temps. Ouais. Là plus pour moi il avait le temps, il avait le temps de réfléchir, de savoir où il allait la mettre, de... Non puis le gardien commençait à être couché. Oui, et puis le joueur adverse, il a pas. J'ai l'impression qu'il disait ça y est, c'est mort. Il est parti l'attaquant. En tout cas, c'est bien joué déjà d'avoir provoqué cet appel. Provoquer cette situation, pardon, c'est déjà une bonne chose. Bien joué ça, il a vu. Attention parce que le Mondor est en grande difficulté défensivement. Il va falloir côté Nedjiou aller chercher ce. Ouais, c'est les milieux du Mondor, faut qu'ils soient plus. Les lignes sont trop distantes. Ouais. C'est vrai que ça prend bien la largeur, ça décale. Et Lévy là qui s'enferme de plus en plus sur son côté gauche. Tony. Ah, ça va être difficile après. Ça arrive à. En tout cas, la SMD qui s'en sort bien sur cette énorme occasion. Arrêtée par son capitaine. Ah, bien fait ça, superbe. Ah, ça joue bien. Petit ballon. Et bien revenu. Défense du SNGO. Moins de 10 minutes. Très long dégagement. Et c'est pareil, hein, ils se font avoir à chaque fois, lobé, ils n'arrivent pas à évaluer correctement la distance sur les prises de balles. C'est long dégagement là. Allez, à chaque fois ils se font lobé, à chaque fois ils sont battus. Il faut qu'ils arrivent à. Les deux là, Rabon, Granger et. Ouais, ils sont à 1 contre 1 après là. Et à chaque fois, ils sont. Après, c'est difficile parce que même au niveau vitesse, ils sont battus. Et même au niveau duel. Oh, attention, ça passe. Heureusement qu'ils sont pas. Ouais, le Rabat de Grangier. Et les siens en difficulté. Il faut que lui, vu qu'il est plus petit que les autres, il faut que c'est lui qui drive, qui dirige. Il dit aux joueurs de sortir et derrière, il assure la couverture. Surtout à 3 là. Parce qu'à 3, quand c'est du 1 contre 1, c'est dur. Et s'il arrive à gérer ça, à guider justement ces deux joueurs sur les placements, surtout sur les interventions, là, sur les longs ballons de 6 mètres ou de dégagement, il faut qu'il soit le patron, le petit Maël. Allez, dégagement. Avec Vaquier qui a fait son retour du coup. On sent qu'on a besoin justement de poids devant pour tenir ses ballons. Parce qu'on est en difficulté, on rend beaucoup plus vite ce ballon à l'adversaire. Ils ont du mal là, ils subissent les joueurs du Mondor. Ouais, physiquement et puis c'est au milieu. Milieu, ils ont une surcharge, ils sont beaucoup.
Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de repère parce que même comment qu'il s'appelle l'attaquant Brandon Vaquier qui descend très bas pour soutenir ses milieux, mais au final il se marche plus dessus qu'il donne de l'air au jeu. Et après sa capacité de jouer ensemble et rapidement, faire un ballon sortant, alors que la logique, le jeu, c'est de faire un ballon rentrant. Après s'il a raison, bravo à lui. Intervention de Gabin. Lévy qui va essayer de trouver une solution devant lui. Ouais, on a du mal. Ah, c'est difficile. Difficile. Et un changement. Corps. Heureusement qu'il maîtrise son panneau. Hein. Ouais. Alors, qui sort ? Bemanandjara qui laisse sa place 6 du Mandor. Il y a aussi du côté de Senegeu. Ouais, rentrée de Khalic, re-rentrée de Siman. On rappelle aussi, John, je parlais des quarts de finale et demi-finale. Bon, il y a eu aussi avant, à l'instar des U15, c'était un format multi-chance. Hein. Il y avait eu 6 tours. Sous forme de poule, il y avait 5 poules. Et d'ailleurs, la Esmondor a été sortie première de sa poule devant Melek et Nengone. C'était une poule à 3. Et du côté de Negeo, c'était sorti devant Gaïcha, Lossi 2 et Tigasport. Donc voilà, 6 tours, enfin 5 tours, ça fait aussi. Moins 6 matchs là pour ces deux équipes, ouais, qui sont allées en finale, mais tout le monde a pu jouer au minimum 5 rencontres. Ouais. C'est ça aussi l'important, que tout le monde joue dans ces formats, mais on passe par la fédération. Alors voilà, c'est reparti à l'abordage. Le 1 contre 1 dont on parlait, la vitesse qui fait mal pour l'instant à ces trois défenseurs. À chaque fois, ils courent vers leur but. À chaque fois qu'il y a un dégagement, ils courent vers leur but. Il n'y a pas d'anticipation. Le problème, c'est que Maël et puis... Ils sont tous sur la même ligne. Celui qui est côté gauche. Là, ils sont battus en vitesse. Donc, il faut faire attention. Si on est un peu moins rapide que son adversaire, son vis-à-vis, il faut anticiper. Ça se joue au placement. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, Maël, il faut qu'il il guide ses défenseurs pour que lui, après, sur le placement, il soit malin et... Il anticipe, puis et derrière, il y a une de ses forces à surveiller. Donc c'est ça, mais il faut qu'il guide. Pas juste qu'il regarde. Attention à ce ballon. Oh, c'est mal tiré, dommage. Continue, parce que là, Nedjerou, ils sont encore un changement. Ça dessus, là, il va profiter, je pense. Hein. Faire des changements. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose de faire des changements à répétition comme ça, parce que se remettre dans le bain, chaque fois, ça casse le rythme, ça casse la mouvance. C'est difficile. Après, c'est chacun choisit sa méthode. Hein, mais attention. Moi, je vous fais. Ça me surprend. Ouais, en tout cas, toujours ce match nul plus partout, et donc une séance de tir au but approche approche. Hop. Brunet là-bas, on le voit plus. On voit. Ouais, il a du mal quand même sur son côté. Il a du mal à jouer vite, à trouver des solutions. Picard ou Brunet ? Brunet. Le 14, celui qui a marqué. Voilà, Picard. Ouais, ils sont tous les deux à gauche, Picard et Brunet. Alors que là, Nedjiou développe. Belle opportunité peut-être. Ouais, ça fait maintenant peut-être 20 minutes, une demi-heure que Nedjiou domine. Et bah oui, il domine et puis... s'installe dans la partie adverse. Après, même si c'est pas
Des fois, il n'y a pas forcément de belles phases de jeu, mais c'est sur ces phases de dégagement où bah, allez, attention, ça va vite au but. Qu'ils soient vigilants, les Mondoriens. 11. Bien frappé. Corner. Très bien frappé. On est Géo, vous l'avez vu sur les stats. Vous le voyez sur les stats, alors que là, on a du mal. Attention, cette frappe impeccable, Gabin. Après, peut-être qu'un contre peut être fatal aussi, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, on est Géo. Ouais. En tout cas, pour l'instant, là, si on part au péno, je vais me poser des questions pour Nedjiou parce que Gabin, je le disais, il avait pris l'ascendant psychologique. Ouais. Des pénalties qui nous ont, mon cher John. Attention, parce qu'il va vite aussi, heureusement. Allez, heureusement. Allez, heureusement. Il est présent, je risque. Ouais, il est ouais. En train de. Bien joué. Hein, ah, c'est un rock. Hein. Ouais. Et en fait, il faut qu'ils se demandent parce qu'à chaque fois, sur la plupart du temps, sur la deuxième mi-temps, ils ont couru vers leur but. Et ils ont défendu en courant vers leur but. Donc ça, c'est une difficulté. Et encore, j'aurais envie de dire que Joris Mahé va un peu plus vite que les deux autres. Donc c'est lui qui a un peu colmaté les brèches plus que... Ouais. Donc ça, à l'entraînement, il va falloir bien travailler parce qu'ils ont une bonne équipe. Et après, c'est... Attention à ce corner. Ouh là là, on avait vu la tête. Corner. Allez, 13e corner, je crois. Ouais, c'est ça. Grâce au stade de Maxime de Salut. À la prod là-bas, c'est comment les spécialistes Est-ce qu'il a Max, compté le nombre de changements, ça, je sais pas. T'as tout compté. Je crois qu'ils ont tout comptabilisé. Hein. Allez, on est dans le temps additionnel. Et le but. Avec le vent, attention, deuxième poteau. Elle est venue se poser sur la barre. Hein. Ouais. La balle, non? Le ballon. C'était encore ouais, sortie de but. Le vent qui avait... Ouais, c'est un corner. Oui, je disais, John, des séances de tir au but au jeu du Pacifique nous avait souri la Calédonie. Ouais, 10 ou je sais plus combien de tirs. Donc, est-ce que ça sera aussi long? Et un nouveau corner, le 14e. Non, il arrête. Arrête, ça enrage en bas. Bah ouais, parce qu'il aurait aimé frapper le dernier. J'ai pas compris pourquoi il y a aussi peu d'arrêts de jeu, enfin de temps additionnel. Avec tous ces changements, en tout cas c'est son choix. Monsieur Lacour, on a vu un bon arbitrage, oui, on s'en fout, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à plus de temps d'ici. Mais non, mais ils auraient pu marquer avant, ça aurait été... Exactement, allez, on va c'est vrai qu'ils réclament, avoir une séance de tir au but en tout cas. John, au bout du bout, on aura vibré dans cette saison. Il y a un petit avantage quand même pour le Mandor par rapport aux arrêts qui ont été effectués sur Gabin, la confiance qu'il a... Le dessus qu'il a pris sur son adversaire, sur les attaquants. Oui, et puis je dirais aussi la domination sur la dernière partie de match de Nedjiou qui est resté stérile. Bah, forcément, dans les têtes, ça joue. On se dit que c'est peut-être en train de nous échapper. Ouais. Donc, on va voir. Et ça va voir. Et puis, il n'a pas eu forcément d'arrêt à faire, Mafileo Lorenzo. Ça fait que et puis la seule action qu'il a prise, c'est le but où ça. Oui, il est un peu malheureux sur. Malheureux, et puis après il a relâché le ballon à plusieurs reprises, il a eu des prises de balles qui sont pas. Donc ouais, pour l'instant sur la fusion, enfin sur l'évolution du match et puis l'état des joueurs. On va suivre ça forcément. C'est un tout petit avantage et c'est grâce au gardien parce que là c'est une séance où on met en lumière les gardiens de but. On met en lumière, c'est eux qui sont devant de la scène là. Donc on va voir ça. Et suspense jusqu'au bout dans cette finale du 18. Bout, il va y avoir un tirage aussi pour savoir de quel côté ça tire. Bon, là, on n'a pas de problème de cop de supporters. Oh non. C'est le process. Allez,
Allez, normalement, le terrain. Avoir le meilleur terrain, c'est celui qui est sur la gauche là-bas, où le vent est avec le tireur. Donc à droite de l'arbitre, côté vélodrome là-bas, on verra où ces tirs au but vont se jouer. Ah, il faut être costaud dans les têtes. Ah, le tirage, toast. Entre les deux capitaines. Samuel Kazing à gauche, son numéro 5. Rachel Gabin. À droite, le capitaine et gardien de l'ASMD. Et le public qui va donc vibrer jusqu'au bout comme nous. Ouais, ça va être. On ne sait pas aussi si ça a été travaillé ou pas du tout. Ah, ils sont obligés. Ils sont obligés de. Aux entraînements. Oui, aux entraînements, non, en fin de séance. On entend par exemple Didier Deschamps qui disait qu'il ne travaillait pas les séances de tir au but. À la fin ? En général. Même quand il arrive en finale ? C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Ah, peut-être qu'il a raison, c'est pas. Pas ça, estimant justement que le contexte est incomparable par rapport à ce qu'on peut vivre entre le jour J et le contexte entraînement. Oui, le contexte est incomparable, mais après on peut voir l'état du joueur le jour J, enfin pas le jour J mais la veille, dans quel état il est, s'il y a de l'anxiété, s'il y a de la fatigue, s'il y a beaucoup de choses. Donc après, à partir de là, le jour J, en fonction du match qui aura été réalisé par les joueurs, tu peux dire non, bah, pas trop confiance en ce joueur parce qu'il n'a pas forcément été à l'aise ou confiant ou plein de choses. Effectivement. En tout cas, ça va. Parce que parfois, les joueurs sont pris par ce côté émotionnel et ils oublient. Donc, ils ont envie de frapper ce coup franc, enfin, ce péno, mais ils ne sont pas forcément dans les bonnes conditions. Et les personnes extérieures sont là justement pour leur dire non. Aujourd'hui, même si tu es un bon tireur de péno, aujourd'hui. Premier en tout cas à s'élancer, c'est ce numéro 7 du SC Nigéo. Reloué, Capone. Kobe Vinet. Ah non, c'est Kobe Vinet, numéro 7 ouais. Ah non, Reloué, il joue avec. Avec le Mandor, pardon, je me suis trompé, c'est le joueur de Nigéo, c'est ça. Kobe Vinet, donc face à Gabin. C'est allez. Parti donc pour cette séance sud. De tir au but et cette finale de Coupe de Calédonie U18. Premier duel. Avec Vinet. Et l'arrêt de Gabin. Alors on le disait, il avait l'ascendant psychologique. Bah, ça se confirme sur ce premier tir au but en tout cas. Il arrête ce péno d'une part. Et de deux, il est mal frappé. Très mal frappé. Après, comment on dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête avant de tirer. Non, mais s'il n'était pas contre-pris, ben, on aurait dit bien. Sauf que le gardien est parti sur le bon côté. Allez, le Mandorien. Boniface, pardon. Amin Belchessam. Qui va essayer de donner un avantage. Belchessam, Amin. Ancien d'entrée. Droit. Face à Lorenzo. Tiré sur la droite du gardien. Les gardiens. Et, ben et oui. Ça passe. Ouais. 1-0. Rien n'est fait, mais premier avantage. Ça, c'est Antoine. Qui pour le monde Simon. Antoine. Antoine Simon.
le numéro 10. Gabin, corps sur sa ligne. Et déjà un petit peu de pression pour Antoine Siman parce que le premier tireur de Nijiwa a raté. Et là, incroyable. Ah, je t'ai dit, psychologiquement, quand le gardien il a la baraka comme ça en fin de match, c'est... Ouh là 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 là, ça se complique si l'équipe mondorienne parvenait à breaker parce que... Oui, parce qu'il est pas mal frappé. Hein. Là, il était mieux tiré. Il était mieux tiré, appuyé, plat du pied. Et donc, et c'est le gardien qui est parti de bon côté. Je pense que... Grosse opportunité là, John, pour... Le Mondor et Simon Houé. Ça fait plus d'eux hein, si Houé. Qui était au Mondial U17 il y a peu. Il y a beaucoup d'élan. Il a frappé fort. Je ne sais pas. Simon Houé. Et là Ah, ça c'est mal frappé, c'est bien arrêté. C'est bien joué de la part de Lorenzo. Parti du bon côté. Et trois pénaltys. Trois tentatives ratées sur 4. Ça, c'est rare. On reste à 0-1 en deux tentatives. Samuel. De chaque côté. Et surtout, le Senegeu reste dans le game. Oui, à un point. Il faut la mettre. Il faut qu'il marque Samuel. Senegeu, là. Ouais, je peux confiance en Samuel. Confiance en Samuel. Ça, c'est un joueur exemplaire. Capitaine. Et un débuteur de l'AS Mondor qui doit aussi lui retrouver le chemin des filets pour cette séance de tir au but et redonner un petit avantage. Qui a été moins efficace en fin de match où les 10-15 dernières minutes où beaucoup de mal, manquait de lucidité. Brunet. Au revoir. Attention de ne pas la mettre sur la bosse. Ça peut sortir. Allez, Brunet. Face à Mafileo. Impeccable. Sans problème. Mondor qui reprend les devants. Sans problème pour Brunet. Bien joué. Et à nouveau, la pression sous les... Sur les joueurs de Nejiu avec numéro 12, Nipi qui s'apprête à s'élancer. Jean-Christ Nipi face à Gabin pour tenter de recoller au score. Et là, c'est incroyable! C'est mal tiré également. Et là, ça se précise quand même pour l'AS Mondor qui a. Grande chance en cas de pénalty, tir au but réussi là. Trois arrêts quand même pour Gabin. Incroyable. Et il part du bon côté, c'est lui qui les arrête. C'est pas frappé sur lui. La balle de la victoire au bout des pieds là de. Ouais, c'est pour. Noé Picard. C'est pas. Noé Picard. D'accord, je pensais que c'était Dorian, le numéro 2. Numéro 3, ok d'accord. Allez, Picard qui va. Ah oui, numéro 3, Picard. De Noé Picard. Donner cette victoire au Mondor. Voilà, enfin ! C'est l'AS Mondor, remporte la Coupe de Calédonie. Au tir au but. Ils pourront remercier fortement leur capitaine Rachel Gabin qui a sorti. Une dernière demeure de toute. L'homme du match, sérieusement, c'est Gabin. L'homme du match. Gabin, incroyable. Pourtant, il a jusqu'à la dernière demeure. Ah, il a fait des arrêts. Il a tenu son équipe. La course. Il a sorti trois arrêts de folie. Et puis là, il nous fait une séance magnifique de tir au but. Bravo à ces deux équipes. Ouais, c'est très. L'AS Mondor comme le SNGU. Et c'est Nejo pour avoir, sur cette fin de match, vraiment montré un visage, un potentiel intéressant. Et puis derrière, on a un gardien. Après, le Mondor
défensivement, il va falloir soit revoir au niveau des milieux et derrière, mais en tout cas, c'est sur ce genre de match final coupe. La manière, je veux dire, c'est des fois on a peu importe la manière, on s'en fout. Le résultat, on retient que le vainqueur. On retient pas celui qui a fait du beau jeu ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit. En tout cas, le vainqueur aujourd'hui, c'est le Mandor. Gabin a fait un très grand match. Et très belle séance de pénaux. Il va donc partir du côté de... Et puis bravo à l'arbitrage, bravo pour les changements. Monsieur Pélissier qui a assisté à une quarantaine de changements, ce qui est incroyable. Ah bah là, au niveau des bras et au niveau des doigts, il est bien costaud aujourd'hui. Bon, bravo, bravo au staff aussi, Mondorien, au club. Ouais. Qui quand même mise beaucoup sur les jeunes, sur la formation et préformation, l'école de foot. Oui, il y a du potentiel, c'est ça. Voilà, je vois la présidente Lucie Moyatea qu'on félicite, elle et toute son équipe dirigeante. Le staff, on pense à Kevin Méniel qui regardait ça depuis la métropole et qui coach cette équipe. Il est absent aujourd'hui, Julien Vol, Teddy Philo, Sébastien Hich qui était au bord de terrain aujourd'hui. Et le coach, les coachs adverses aussi, oui. Et effectivement, Léon, le staff également de Nejou, ce club de l'IFU qui fait un énorme travail chez les jeunes. Bravo à tout le monde. Et puis on remercie aussi la Fédération calédonienne de football qui nous a permis de vivre ces bons moments tout au long de la saison sur la FCF TV Web. On va aussi remercier toute l'équipe de production sans qui vous n'auriez pas de toutes ces images. Derrière, il y a un gros boulot aussi, les caméramans, le ralenti, l'habillage, le réalisateur, le producteur. Les cadreurs. Merci à toi John aussi pour tes commentaires. Ah, merci à toi. Les analyses pleines de rigueur. Après, c'est mon point de vue. Comme je dis, le football, c'est plein de vision, c'est plein de façons de voir les choses. Après, c'est ma vision. Ma vision, elle n'est pas forcément... celle que certains aiment, mais je peux pas tricher, je peux pas mentir à l'écran. Je dis ce que je vois, je dis ce que je ressens. Puis après, c'est à vous, hein, si vous pouvez éteindre le son et puis regarder le match si vous n'avez pas envie de nous entendre. Mais en tout cas, le but, c'est de donner. Exactement, c'est progresser le foot, faire progresser le football. Et parfois, les mots sont durs, mais sérieusement, je pense que les mots sont durs, mais l'intention, elle est vraiment portée vers le développement et l'avenir, c'est pas juste pour critiquer une personne ou juste pour me prendre du plaisir à parler sur des gens ou parler sur le football. Non, c'est vraiment dans une optique de faire progresser le football ici dans notre pays. On va peut-être rester ensemble là pour la remise, un peu de temps. On va demander d'ailleurs, on appelle au micro les arbitres, on va les remercier, ils ont... vraiment assurer l'arbitrage, bon arbitrage aujourd'hui. Alors on n'est pas non plus toujours tendre avec nos amis arbitres. Il faut aussi comprendre que c'est une analyse qu'on a. Parfois on n'a pas les bons termes non plus, mais on essaiera de se perfectionner nous aussi. On a aussi notre analyse football qu'eux n'ont pas. Exactement. Voilà. Chacun ses défauts, ses qualités. Exactement. Mais en tout cas, on les remercie vraiment fortement. Ouais, merci. Et puis moi, c'est pareil. Hein. Les joueurs, il y en a qui me pointent du doigt. Et pareil pour les arbitres. Je suis pas là pour. Je suis vraiment là pour dire ce que je vois et j'essaie de rester le plus objectif possible. Et puis, si dans cette objectivité, il y a des fois des petites parts de subjectivité qui plaisent pas aux gens et qui. Voilà. Ouais, l'important, c'est que l'important, c'est qu'on soit tous ensemble. Et en tout cas, là, les arbitres qui vont bien sûr être fortement remerciés. Sur cette journée, on parle des U15 et des U18, toutes les catégories confondues. Un arbitre qu'on a le plus l'habitude de voir en Super League, mais également les autres dans les plus basses catégories ou autres échelons. En tout cas, merci à vous tous, tout le corps arbitral. Voilà une belle image avec Monsieur Pélissier qui a fait un gros match. C'est ça, il garde son carton en plus. Et il en rigole. Son tableau. Et puis les jeunes frères Chénaud. Les jeunes qu'on a vus tout à l'heure. Pour information, Alan Chénaud qui est ancien joueur mondorien. J'avais eu l'occasion à l'époque de jouer avec lui. On avait vécu une finale de coupe en 2015 ensemble et il s'est reconverti à l'arbitrage. Donc c'est Joël Guilherme qui va remettre le responsable de l'arbitrage à la fédération, qui remet ses arbitres aux arbitres ses médailles. Et Monsieur Gilles Tavergeux,
le président de la fédération qui est présent. Alors il fait de la route parce qu'il était à Wailou tout à l'heure pour le l'événement Philo. Ah d'accord. Qui est un événement football lancé du côté de Wailou. En mémoire d'une joueuse d'ailleurs, hein, ancienne internationale. Il est déjà là, président de la fédération. Voilà, on remercie tous ces arbitres vraiment pour leur investissement. On n'est pas toujours d'accord les uns les autres, mais, ah, mais c'est on loue le travail, ouais, exactement, l'investissement de nos arbitres. Et aujourd'hui, bah, ils ont fait le boulot, le job. Ce quatuor arbitral et nos jeunes aussi qui ont arbitré, nos jeunes arbitres de la finale U15 qui ont aussi été récompensés sur la première remise du jour. En tout cas, ça a été une belle fête aujourd'hui pour les jeunes, pour le sport, pour le football. Oui, on le dit aussi assez souvent, tout ce travail mis en place par la fédération, par les clubs. Fédération qui bosse forcément aussi et surtout et pleinement pour aider les clubs. Parce que c'est ce travail du quotidien qui fait que bah, cette jeunesse est aidée dans tous ces projets sportifs. On voit Dominique Quachali qui est là aussi, qui est venu de PLGC après les remises du 18. Johan Sidaner, voilà en bas Ramon Djamali qu'on a vu tout à l'heure. Documentaire, voilà, documentaire parole d'attaquant. François Joss, voilà toute l'équipe technique de la Fédération calédonienne de football que l'on salut fortement pour le travail. Ils ne sont pas tous là, mais on les salue tous pour cette journée, en tout cas, qui s'est bien passée. Et pour tous les événements mis en place par la fédération tout au long de la saison. Et merci à toi, Romain, parce que peut-être qu'ils ont des projets, ils les mettent en place, mais toi, tu es là pour justement actionner. Ces leviers soient actionnés. Voilà, puis, on essaye. Moi, je suis ici. Essayer, c'est déjà pas mal. Donc là, on est là à vivre cette fin d'année après avoir diffusé avec tous les gars, les caprol, les cadreurs, environ 60 matchs télévisés. Ah, 60 matchs, c'est quand même beau. Et on compte en tout. C'est intéressant pour le sport, le potentiel, le développement. Ils ont des supports justement pour s'appuyer, les entraîneurs. Et pareil, les arbitres, les entraîneurs, les dirigeants, même les parents pour accompagner leurs enfants. Et puis vous, les supporters aussi, téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivez, parce que tout ça a lieu d'être parce que c'est suivi et exactement. Beaucoup suivi. Si c'est pas suivi, et bah, on ne ferait pas. On aurait retransmis ça. En tout cas, bravo à cette équipe aussi de Nejiu. Lifou, et qui voilà. Est un club qui s'est créé en 2008, mon cher John. On salue les membres fondateurs et dirigeants. Et ce club d'Atanaï qui, au fil des ans, et très vite même, s'est fondu dans le paysage footballistique. À la base, Atanaï, c'est Atala, c'est Neibash. Atala, c'est Nao là-bas, puis Neibash, c'est Luangani. Puis là, on voit, bah, c'est le sud, hein, il y a les joueurs Luangani, jeunes de Roger, du sud. Quoi. Bravo aussi à ces jeunes joueurs donc de Nejiu, de Lifou, qui ont du potentiel vraiment. Ça on le sait. Hein. Ils ont gagné l'an dernier. Bah, voilà, aujourd'hui ça leur a moins souri au niveau de la séance des tirs au but. Ils ont quelques regrets certainement, notamment sur un contre un raté, cette fin de match qui a tourné à l'avantage de Rachel Gabin. Ah bah il a su. Yann Sidaner qui petit à petit, hein, il a pris de la confiance durant ce match. Ouais, on le disait, l'ascendant psychologique. L'ascendant psychologique, il a douté sur le but parce que bah, il a été surpris par cette frappe. Voilà, Samuel Croising. Lui aussi, il fait partie des espoirs Super League, défensivement. On parle beaucoup des attaquants, mais c'est clair que c'est des joueurs qui... des jeunes joueurs qui apportent justement leur potentiel. Championnat élite calédonien. Et voilà,
Une aide d'honneur aussi, c'est l'importance de voir ça aussi, ces images, c'est le fair play, John. C'est ça. Dans la défaite, on apprend la victoire et aussi la défaite. Ouais, l'humilité, respecter justement le résultat. Les valeurs du sport, du football. Les valeurs du sport, de tout. Bravo à lui qui, je ne sais pas s'il y a un trophée d'homme du match qui est donné là aujourd'hui, ça avait été fait chez les seniors, en tout cas nous on lui donne. Ouais, mais Gabin, je pense que tout le monde aurait été d'accord pour lui donner. Mais de toute façon, c'est lui qui va recevoir la coupe, donc en gros, c'est il cumule. C'est le tout, ouais. Ben oui, c'est l'homme du match, ouais, Gabin. Pas que sur les séances de tir au but, mais aussi dans le match, il a su être présent sur des moments clés. Notamment sur le dernier duel, fin de match dans les arrêts de jeu. Et le soulevé de coupe. Et voilà. Qui va donc être effectué par le président Gilles Tavergeux, ancien gardien comme un symbole. Gilles Tavergeux qui donc va offrir ce. Et qui a beaucoup joué au CA Saint-Louis, le CA Saint-Louis qui revient l'année prochaine. Qui revient en Super League. C'est Super League. On est pressé de les voir. Et donc Mandor Saint-Louis ou Derby du Sud ? Gros derby. Gros derby. On sera forcément en direction Pacific Plus. Et la FCF TV Web. Gilles Tavergeux, ancien président de l'AS Mandor, qui voit donc cette équipe des 18 soulever ce trophée. Bravo à eux. Il y a eu. De l'émotion toute la saison, que ce soit avec ces jeunes là pour finir l'année, forcément c'est 44 matchs télévisés en Super League, on a vécu aussi la coupe, la MSG Cup, bon, il y en a eu pas mal de choses, hein. Les directs, donc on est content de pouvoir vous offrir ça, un grand merci à la Fédération Calédonienne de Football, tout ça au service de ces joueurs, de ces jeunes joueurs. De devenir ces féminines aussi, on les oublie pas forcément. Et donc on se reverra l'an prochain. En attendant, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Oui, un bon week-end fête, déjà. John. Bon week-end, bien sûr. Bonne fête, merci Romain. Bonne fête. Et puis on revient en forme avec ensemble de nouvelles émotions à vivre au sein du football et de la famille du football calédonien. Ciao à tous. Ciao, merci.